Contrôler la consommation d'énergie des bâtiments publics à partir d'un ordinateur central, c'est le système mis en place par le service technique de Guyancourt, un dispositif développé dans le cadre de la politique de développement durable de la ville, investissement initial de la commune 150 000 euros, avec à la clé des économies d'énergie. L'objectif est d'économiser entre 20 et 30% de kilowattheures consommées. On ne parle pas forcément de valeur financière parce que le prix de l'électricité, lui, ou du gaz peut évoluer. Par contre, on parle d'économie de kilowattheures consommées. En un clic à partir de cet ordinateur, l'utilisateur peut baisser la température, éteindre la lumière d'un bureau ou identifier un dysfonctionnement. Deux modules de régulation du chauffage et de l'éclairage, un système installé dans les bâtiments du service technique à l'école de musique et à la batterie. Nous pouvons voir donc sur le module chauffage les températures dans les bureaux, si les fenêtres sont ouvertes ou pas, puisque dès que la fenêtre est ouverte, la GTB coupe le chauffage. Nous pouvons voir effectivement tout de suite le matériel qui est utilisé, s'il fonctionne bien, les températures, modifier les températures à notre guise et à distance. Et cette centrale d'air pilotée à distance depuis le centre technique municipal se situe dans l'école de musique de Guyancourt. C'est notre chauffage en fait de l'auditorium. En fait, on impulse de l'air sous les pieds de l'auditorium. Prochaine étape, l'équipement de l'hôtel de ville et de la piscine par ce système et le développement de nouveaux modules comme la gestion de la consommation d'eau.